Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Est-ce que l'Église peut dire gloire à, gloire à Jésus? Amen. Privilège pour moi d'être ici. Euh, comme Pasteur Monique l'a dit, je suis pasteur dans l'équipe pastorale également et j'ai le privilège d'être assistant au site de Saint-Eustache qui, euh, qui a ouvert les portes il y a déjà un an et deux mois. D'entrée de jeu, je voulais simplement remercier, remercier Pasteur Guettant euh, pour ce, le privilège qu'il m'accorde de pouvoir être ici pour la formation, le mentorat. Toujours un privilège que je ne prends pas à la légère de vous annoncer la parole de Dieu. Puis tu sais, moi, je suis comme ton cousin. Je suis comme ton cousin. De quoi il parle? Ça commence bien mal. Je suis comme ton cousin éloigné. On ne se voit pas souvent. Je n'ai pas le privilège d'être avec vous aussi souvent que je le souhaiterais. Mais quand on se voit, c'est toujours agréable. Toujours du bon temps. On est toujours content de se voir. Des accolades. Puis, hey, ça fait longtemps. Puis comment ça va, Pierre, hey, dans ton bout de par chez vous, dans ton coin de pays? Mais comme un bon cousin éloigné, quand je viens, je ne peux pas minimiser le temps qu'on a ensemble. Pour simplement placotiller, parler de la météo, du beau temps, parler de la Formule 1. Je dois parler de choses bien plus sérieuses. On doit attaquer, faire une mise à jour du passé, actualiser le présent, envisager le futur. Qui donc veut dire que ici, si je suis là devant vous, je ne peux pas faire de compromis, d'accommodement. Je dois être entièrement intègre et vous proclamer une seule chose. Qu'à la fin de votre temps ici, une seule chose vous demeure. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est mon mandat ce matin. Et on est dans une thématique où est-ce qu'on parle des vilains, les vilains de la Bible qui sont des typologies du diable, qui représentent des figures diaboliques. On a déjà vu Goliath. On a déjà euh, parlé du pharaon et j'ai le privilège ce matin, c'est le titre de mon message, de vous parler d'un vilain si subtil qu'on peine à lui résister. Un vilain si subtil qu'on peine à lui résister. Et nous allons voir ensemble le fameux personnage de Jézabel. La vilaine Jézabel. Jézabel, la rusée. La culture connaît Jézabel. Même si tu pas chrétien, tu as entendu ce nom qui a un drôle, de... de, de qui, un son. Puis, il y a peut-être du monde qui s'appelle Isabelle. Soyez bénis en Jésus. That's not what I'm talking about. Nous allons parler de Jézabel, personnage historique dans la Bible. Et on va regarder à plusieurs versets. Si tu n'as pas de Bible ou de téléphone qui diffuse la Bible ou qui te permet d'avoir accès à la Bible, les versets seront également disponibles sur l'écran. Sans plus tarder, allons ensemble dans 1 Roi 16, les versets 30 à 33. 1 Roi 16, versets 30 à 33. Si vous l'avez dit amen. Superbe. Un vilain si subtil qu'on peine à lui résister. La preuve, tu l'as épousé. Je fais la lecture pour vous. Achab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur. Plus que tous ses prédécesseurs. Il est léger pour lui. D'autres vont dire comme si c'était peu de chose pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nebat. Il prit pour femme Jézabel. Fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir le Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un hôtel dans la, au Baal, dans la maison du Baal, qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau cultuel, c'est-à-dire l'Achira. Tu l'as épousé. Le vilain est si su subtil qu'il a réussi à te séduire et nous nous sommes mariés au vilain. Tu dois comprendre le contexte. Nous sommes dans un roi. Vous connaissez le roi David, fils de Jesse, loin de l'éternel, homme selon le cœur de Dieu. L'histoire continue. Il va avoir un schisme, une séparation entre les dix tribus, ou du moins les onze tribus, et celle de Juda. Il va avoir une séparation entre l'Israël du Sud, Juda, Jérusalem, et les autres tribus. Et donc, une fois que tout ça se passe, il va avoir une succession de rois. Des rois, des rois, des rois. On recense qu'il y aurait eu 20 rois dans le nord d'Israël. Et parmi ces 20 rois, Akab est le septième de ces rois, fils d'Omri. Aucun roi sur les 20, aucun n'a fait ce qui plaisait à l'Éternel. Dieu avait donné dans le, dans le Décalogue, dans les dix Commandements, dans Deutéronome, dans l Exode, on, on voit les règles que Dieu avait données, puis personne ne l'a fait. Et ce qui est intéressant, lorsque tu fais l'étude du roi Akab, tu te rends compte qu'on dit, ah, c'était un des régimes les plus stables. 22 ans au pouvoir, comme si le fait qu'il avait fait 22 ans voulait, à quelque part, mettre un accent ou légitimiser la chose. Un peu comme Léon qui dit Léon depuis 1909, comme si parce que ça faisait 110 ans, les meubles étaient mieux. Comme le Canadien qui dit Fondé depuis 1909. Mais depuis 1993, il n'y a pas de couple qui rentre à la maison. Mais là, on dit à Cap, 22 ans, régime stable, ça n'empêche en rien que la subtilité de Jézabel fait en sorte qu'il va se compromettre. Accommodement qui mène à la débâcle, et nous allons voir parce qu'il a ouvert la porte. C'est Omri, en fait, son père qui avait fait une alliance politique. On pense que les deux familles se sont assemblées et puis ils ont mis leurs enfants ensemble. Contrat politique pour avoir une alliance. C'est également un contrat commercial faire du commerce ensemble. Et donc, ultimement, comme si c'était peu de choses, Akab épouse Jézabel, qui dit épouser, dit cohabiter. Et drôlement, le nom de Jézabel signifie sans cohabitation, cohabitation impossible, celle avec qui on ne peut cohabiter. Waouh, c'est intéressant. Je crois que l'auteur a voulu vraiment nous faire comprendre une chose. Tu ne peux pas te dire chrétien et penser un instant pouvoir cohabiter avec autre chose que la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est non corruptible. Et donc là, on voit ça, ça se passe. Et il faut que tu comprennes également une autre chose, que c'était déjà commencé. On se rappelle, vous avez vu comme moi, qu'il y avait un gars, euh, je ne me rappelle plus trop de son nom, C'est pas important pour les fins de l'histoire, mais il a construit un veau d'or. Ça vous dit quelque chose. Un veau d'or, pendant que Moïse était parti recevoir les lois de Dieu, veau d'or. On a anéanti ça, il y a eu plusieurs années. Drôlement, imaginez-vous que Jéroboam, ce qu'il va faire, il va dans son temps, dans son, pendant son règne, instaurer un veau d'or à Dan, et un veau d'or Dan qui est au nord, et un autre veau d'or au sud de la frontière à Bethel. Comme si c'était pour délimiter ces frontières. Ça continue. Il permet donc au balisme d'entrer, mais le balisme ne peut cohabiter avec le yavisme. Qu'est-ce que le yavisme Merci de poser la question. Simplement, la religion du Dieu trois fois saint Yahweh. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Et jusque où ça va Il a ouvert la porte. Rappelez-vous, oui, je le veux. Il s'est ouvert la porte. Accommodement spirituel. Puis ça va jusque où? Ça va? Est-ce qu'il va finir par faire le poteau culturel, Lachira. Achira, qui était une déesse de fertilité, de sexualité, puis il va en faire un genre de poteau en bois. Bon, je ne sais pas ce qui se passe devant le poteau, mais ça, c'est une autre discussion pour un autre tantôt. Fait que là, ils font le poteau, puis tout. Puis là, euh, on ne sait pas trop ce qui prend place, mais j'aimerais juste dire une chose. Je ne sais pas ce qui prenait place devant ce poteau, mais je sais une chose qu'il n'y a aucun poteau plus puissant que celui où Jésus vainc la mort. Il n'y en a pas. Et donc, ça me fait penser. J'ai eu le privilège d'être euh, éduqué dans des institutions privées. Puis on a appris le latin, des choses qui me servent beaucoup aujourd'hui et tout. Puis j'ai fait beaucoup de cours. Et puis euh, j'ai terminé mes études à l'école du quartier. Puis euh, je me rappelle quand je suis arrivé à l'école du quartier au mois d'août, je m'assois, moi tu, tu rentrais dans la classe, puis il y avait la rangée de gauche, puis là j'étais assis dans la rangée de gauche. Puis là, euh, c'est correct, j'étais assis dans la rangée de gauche. Puis euh, je me rappelle, j'ai commencé l'année, puis je levais la main. Tout le monde te regarde un peu bizarre, qu'est-ce qu'il veut le petit nouveau. Puis là, le prof dit oui, « Oui, madame, est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? » Tout le monde part à rire de toi. « Hein? Qui lève la main pour demander d'aller aux toilettes? Lève-toi, va aux toilettes, man! Qu'est-ce qu'il y a? » Et puis là, je suis comme « Ok. » Mois d'août, right? Mois de septembre, mois d'octobre, novembre, ma main diminue de plus en plus. Décembre, je ne lève juste plus de main. février, je n'arrive juste plus à l'école. Sûr que J'ai ouvert la porte à une culture qui m'était étrangère. On parle de Sidonie, on parle de Phénicie, Jézabel qui vient de Sidon. J'ai ouvert la porte à une culture étrangère. Right? J'ai pratiqué ce que les gens faisaient, on ne lève pas la main. À un moment donné, tranquillement pas vite, en ouvrant la porte, ce que tu dois comprendre, c'est que le séjour des morts n'est jamais rassasié. En ouvrant les portes, une fois, tu te compromets entièrement. Les analystes sportifs en parlent. Tu joues au basket, tu fais de la boxe en position de défense. Ah, il a baissé sa garde, il s'est compromis. Il y a laissé accès, manquer de vigilance. Et il faut que tu comprennes que nous ne pouvons pas nous compromettre parce qu'en ouvrant cette porte, c'est jamais assez. Juste une fois, c'était juste un texte, une collègue de travail, il n'y a rien d'offensif. Juste une fois. Juste une fois. Je n'ai pas pris de facture chez le garagiste, juste une fois. Arrête, chaque dimanche, on dit, tatrage, la grâce suffit, la grâce suffit, Jésus même. Et on veut légitimiser le fait que notre plus grand problème, c'est que nous ne voulons pas céder le trône de nos cœurs à Jésus. C'est ça le plus gros problème. C'est que nous sommes rois et nous pensons être rois et nous voulons, désirons rester rois. Rappelez-vous, qui c'est un roi, autorité, c'est moi qui prends les décisions. I'm the big man, je suis l'homme de la situation, je suis la femme de la situation. Mais lorsque tu as choisi Jésus, Jésus est l'homme. Et le dieu de la solution, de la situation, dis-je. Je dis merci au Seigneur pour l'intelligence, parce qu'au mois de mars, je ne veux pas vous mentir, qu'après avoir ouvert la porte, j'ai appris à sécher mes cours. J'ai appris à arriver intoxiqué au classe. J'arrivais au je j'avais pas de sac à dos. je Jouais au PSP. J'étais le gars qui s'était assis, vous, vous rappelez la rangée de gauche en avant. J'étais rendu le gars assis en arrière. Je me rappelle, je rentrais en classe, mes pieds sur le bureau. Merci Seigneur pour sa grâce. Une chance qu'il est venu me chercher. Je ne sais pas où ce que je serai aujourd'hui. Puis j'avais épousé cette culture et puis au mois de mars, je m'étais dit, oh, je vais lâcher l'école cette année. Je préfère euh, traîner avec les amis. Puis Dieu m'a donné l'intelligence de faire, Bella, il te reste juste trois mois, fini. Donc je ne sais pas ce que tu vis si tu es un étudiant puis que tu trouves ça difficile, juste t'encourager, fini. Peut-être que ça ressemble pas à la situation, ne ressemble pas à la mienne, mais encourage, fini, persévère. Et donc, il faut qu'on se pose la question, qui est le sujet de notre adoration? Qui est le sujet de ton adoration? Le travail? Est-ce que tu retrouves ton adoration, ta satisfaction, ton confort, ta sécurité, ta paix dans le travail? Est-ce que ce sont les amis, les relations? Est-ce que c'est ton partenaire de vie, ton mari, ta femme? Est-ce que c'est tes partenaires d'affaires? Est-ce que c'est tes diplômes? Dans quoi trouves-tu ta plus grande joie et ta plus grande consolation? Pose-toi la question. Et si tu me réponds ou tu te réponds Jésus, voici ce que j'ai pour toi. Jésus ne s'accommode pas à l'infidélité. Ouais, mais juste une fois, 99%, juste une fois, une heure. Jésus ne s'accommode pas à l'infidélité. Soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Reconnais que Jésus est notre époux par excellence. Lui, il va se marier avec Akab. Souvent, on se marie avec l'accommodement spirituel, ce péché de vouloir tout inclure et de croire savoir ce qui est bon pour soi. Jésus est notre époux par excellence, nous aimant tellement qu'il donna sa vie pour vous et pour moi. Il est l'époux par excellence et il ne veut rien d'autre, rien de moins que notre adoration totale et exclusive. Et donc, non seulement ce vilain subtil qui nous pousse à l'épouser, nous, nous sommes donc à la fois coupables, mais nous sommes également victimes. On va continuer la lecture, on va aller à 1 roi 18, les versets 46 jusqu'à 1 roi 19, verset 4, puis on va voir comment est-ce qu'on peut être victime, parce que c'est le point numéro 2. Tu le laisses taire, la grâce de Dieu dans ta vie. Une autre conséquence de lorsqu'on ouvre la porte au péché de l'accommodement spirituel. Et je fais la lecture pour vous. La main du Seigneur fut sur Élie. Qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message un messager à Élie pour lui dire Que les dieux me fassent ceci, qu'ils y ajoutent cela, si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, Voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il s'assit et demanda la mort en disant, oh, oh, tu sais ce soupir Oh, cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je sais qu'il y en a parmi nous qui se sont déjà sentis terrassés. On dit, Seigneur, prends ma vie. J'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que là où la mort abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il faut que je t'explique ce qui se passe un peu. Qui est Élie Élie est un prophète depuis le départ de, de, de la monarchie dieu avait institué les rois pour représenter le peuple et il s'est rendu compte très vite que ça suffisait pas donc dans sa grâce il a institué les prophètes on se rappelle de nathan on se rappelle de samuel etc et donc les prophètes avaient pour fonction d'être comme des chiens de garde de l'alliance de dieu ils devaient protéger l'alliance de dieu l'intégrité s'assurer que les rois faisaient suivre le peuple les bonnes directives pour être le peuple de dieu pour être fidèle à la parole de dieu les prophètes étaient également les messagers de Dieu. Ils parlaient au peuple au nom de Dieu. Et donc, ils avaient également comme mandat final de ramener le peuple, d'avertir le peuple, changer radicalement, détournez-vous de vos mauvaises voies, retournez au Dieu d'Israël, revenez à Yahweh. Puis Élie, c'est ce qu'il faisait. Élie, c'était son mandat. Comprends-moi, là, ça va bien ces affaires-là. Je vais te prouver que ça va bien. Fait que là, Élie est là. Euh, il va y avoir une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. On dit qu'il serait peut-être 450. C'est comme une compétition un peu comme celle entre David et Goliath. David et Goliath, vous vous rappelez, Goliath, c'est un philistin. On a déjà entendu ce message-là, c'est un philistin. Mais le duel qu'il y avait entre David et Goliath, c'était pour prouver un peu qui était le plus grand dieu, le dieu des philistins ou le dieu d'Israélite. Des Israélites, dis-je. Et c'est un peu la même chose. Il va avoir la compétition entre les prophètes. Tu nous montres ton affaire, on te montre notre patente, puis on va voir c'est qui le plus grand Dieu. Patente pour ceux qui se demandent quest ce que ça veut dire, tu nous montres ton affaire. Grosso modo. Puis là, il euh, faut que tu comprennes que Baal, c'est le Dieu de la pluie, Dieu de la fertilité, Dieu. Il y, y a aussi la sexualité là-dedans. Puis les gars, ils vont dire, OK, il va nous montrer la pluie. Puis là, ils font leur affaire. Les prophètes de Baal, ils font leur affaire, font leur affaire, font leur affaire. Puis l'heure avance. L'heure avance. Puis l'heure avance. Puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, Ellie se moque un peu d'eux, comme ça nous arrive aussi, nous, de nous moquer. Non, vous? Non, personne ne se moque. Fait que là. Euh et il dit OK, parfait, guys. Donc, vous, vous avez fait votre affaire, c'est mon tour. Ils ont acheté quatre cruches d'eau, jettent l'eau sur le, le. Le setup est fait, plein. Il dit Seigneur, montre-leur que tu es le vrai Dieu. Puis là, ouf, le feu descend. C'est incroyable, c'est un moment épique. Tout le monde est comme hey, Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, les prophètes de Baal vont être assassinés, ils vont mourir. Puis c'est un peu la façon de montrer la souveraineté de Dieu pour dire que alors que les prophètes de Baal sont morts, le prophète de Dieu est encore vivant. Les enfants de Dieu subsistent. Alors qu'il y avait famine en Israël, parce que dans ce temps-là, il y a eu une famine. Mais Dieu a nourri la veuve. Dieu a ressuscité son fils. Il y a eu plein d'épisodes, c'était pour montrer finalement que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, était le seul et vrai Dieu. On s'entend pour ça c'est la grâce de Dieu, puis au paquet, c'est pas une grâce cheap, c'est comme. C'est sérieux, là! Et pourtant, alors que le texte nous dit que la main du Seigneur était sur Élie, la Bible va même nous dire qu'il a couru jusqu'à la porte de Jisraël, c'est environ 22 km, demi-marathon, super en forme, il s'est serré la ceinture, go! Il entend le message de Jézabel et il panique. La voix de Jézabel prend cette place qui lui fait taire la voix de Dieu. Et trop souvent de fois, c'est nous. On a vu Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de nos proches bien trop de fois. Rappelle-toi où tu étais avant de connaître Jésus. Je m'adresse à des gens qui ont été régénérés et qui ont reçu la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Souviens-toi où tu étais. Et trop souvent, on tait la grâce de Dieu, on laisse l'ennemi taire la grâce de Dieu. Élie, voyant cela, il y a d'autres traductions qui vont dire, Élie eut peur et il s'en alla pour sauver sa vie. Mais drôlement, un peu plus loin, il dit, oh, finis cette vie-là, ôte la moi c'est que le texte dit. Et le texte nous dit qu'Elie est anxieux et qu'il est confus par ce qu'il va dire alors qu'il voulait sauver sa vie. Il demande à Dieu de lui ôter la vie. Cette même vie qu'il voulait sauver. Et vous savez, l'anxiété peut être un péché. L'anxiété peut être un péché parce que, vous savez, je lisais et puis on dit qu'il y aurait quatre types d'anxiété. Il y a l'anxiété suite à un stress. Un animal vient menacé, survit. le stress monte, l'anxiété, tu pars à courir. Il y a l'anxiété qui est produite par un désordre psychique, psychologique, il faut être suivi, il faut être médicamenté, etc., etc., c'est un autre domaine. Il y a l'anxiété qui est à la suite des conséquences. J'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai commis un péché, j'ai fait quelque chose de grave, et je suis anxieux par rapport aux conséquences de ce que je pourrais subir. Mais il y a une autre anxiété qui est tout simplement péché. Être anxieux pour être anxieux. Aucune bonne raison valide. Tout simplement... Parce qu'on est rendu au point où nous sommes apostases et nous refusons de croire en Dieu. Nous sommes incrédules. Voilà notre problème. Nous sommes incrédules et nous ne pouvons pas médicamenter le péché. Il faut l'éradiquer. C'est la seule façon. Et c'est ce que Dieu va toujours dire. Il fallait détruire les prophètes de Baal. On devait se dissocier de ces peuples parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus important pour nous d'activer nos oreilles. Dieu nous en a donné deux plus, deux fois plus d'oreilles que de bouche pour que nous puissions entendre et discerner sa voix. Cher ami, comment est-ce qu'on fait pour résister à l'accommodement spirituel? En écoutant la voix de Dieu. Mais lorsque tu décides de laisser taire la voix de Dieu pour les voix de la culture, les voix des nouvelles, les voix de ton horoscope, les voix de tes amis, les mauvaises influences, les voix, les voix, les voix, les voix tu perds de vue la voix de dieu mais j'ai une bonne nouvelle pour toi là où la mort abonde la grâce de dieu surabonde Oui, mais tu l'as déjà dit il faut que je le répète parce que tu le crois pas là où la grâce de dieu là où la mort dit excusez-moi là où la mort abonde la grâce de dieu surabonde et qu'est-ce qui arrive dans l'histoire? Le texte nous dit un peu plus loin, on n'a pas les versets, mais le texte va nous dire un peu plus loin qu'Élie a un messager qui est arrivé qui lui a dit Lève-toi et mange, le chemin sur lequel tu t'en vas est long. Le texte nous dit que Dieu se révèle encore à Élie, non pas dans le feu comme au Mont Carmel, non pas dans le vent, mais dans une voix ténue, une voix douce. Nous devons apprendre à écouter. Et la raison pourquoi nous sommes paralysés, oui, c'est de notre faute parce que nous ne sommes pas assez euh, rivés, nos yeux ne sont pas rivés assez sur la parole de Dieu. Mais il y a aussi le fait que l'ennemi est paralysant, l'ennemi fait peur, l'ennemi fait des ravages. Nous avons vu des mariages brisés, nous avons vu des relations brisées, nous l'avons vu et ça fait peur. J'aime depuis quelque temps écouter avec ma femme des documentaires animaliers. Super intéressant, je vous le dis, c'est vrai. Puis là, tu regardes le documentaire, puis on écoutait l'autre fois, on écoutait les abysses, puis là, dans l'eau, puis là, tu vois des poissons, ils font de la lumière. Ok, non, non, c'est pas un autre message, mais ils font de la lumière, c'est vraiment intéressant, je vous le dis. Vous ne me croyez pas, c'est correct, je vais quand même faire mon illustration. Puis, euh, il parlait à un moment donné du lion, puis il te montrait des lions et tout, puis j'ai été curieux, je suis allé faire des recherches sur le lion, et tu te rends compte que le lion, son rugissement peut faire trembler ton corps. Lorsqu'il rugit, il peut faire trembler. Son rugissement, on peut l'entendre, le discerner jusqu'à 8 kilomètres plus loin. Et donc le lapin est beaucoup plus vite que le lion, et pourtant devant le rugissement du lion, le lapin fige. Et c'est comme ça que le lion, après ça, obtient sa proie. Et donc la voix d'Isabelle parle, Élie fige, puis il est là, mais Dieu le relève, Dieu le restaure. Je, je, je suis encore intéressé. Je lisais encore, je, je voulais apprendre, je voulais apprendre. Je disais, les gens qui parlent, tu sais, on parle beaucoup de la voix. Nana, mais quand tu n'es pas capable de parler, tu as des problèmes de langage, des problèmes de diction, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ta voix oesophage? Est-ce que c'est tes cordes vocales? Qu'est-ce qu'on regarde? Et la première chose qu'on va regarder, c'est tes oreilles. Est-ce que c'est possible que tu n'entends pas surdité? On veut éliminer ça d'abord. Les oreilles. Parce que ce que tu entends, tu le ressors. Pourquoi je suis capable de parler français? Parce que ma mère me parlait français. Pourquoi je parle créole? Parce qu'on me parlait en créole si c'était une autre langue, ce serait une autre langue. Tout ça pour dire que nous devons activer, j'utilise des guillemets, nos oreilles pour discerner la voix de Dieu qui nous dit, relève-toi. Et quand tu entends ce relève-toi, ce que tu réalises, c'est que, hey, I was good all along. J'étais bon tout le temps, tout au long. De... Hey, je me suis réveillé. Je suis en santé, j'ai des vêtements, j'ai déjeuné, j'ai une communauté de frères et sœurs qui m'accueillent dans le nom de Jésus, j'ai un véhicule pour me déplacer, j'ai un emploi demain matin, la session d'été à l'université a bien été, je suis encore en relation. Puis là, tu comptes les bienfaits, tu comptes les bienfaits, tu comptes les bienfaits, tu comptes les bienfaits, puis comme la chanson dit, en les comptant, tu te rends compte à quel point le nom de Dieu est grand. Et tu apprends à pratiquer le contentement, tu apprends à pratiquer le contentement. Ne sois pas incrédule parce que l'issue n'a pas été celle que tu voulais. Jésus est le maître. Il connaît l'issue pour ta vie. Il t'a en main. Il s'occupe de toi. C'est quand la dernière fois que tu as dit merci. C'est quand la dernière fois. C'est quand la dernière fois que tu as remercié Jésus pour ses bienfaits. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Entends ce qu'il te dit. Je suis dans la patente. Je suis dans l'histoire, je suis dans la situation, je ne sais pas ce que tu vis, frères et sœurs, mais Jésus est là dans le meilleur comme dans le pire et sa grâce est suffisante. Amen. Et donc, comme nous l'avons dit, il y a des conséquences dues à l'accommodement spirituel, mais Dieu merci, cette bonne nouvelle continue. Point numéro 3, 1 Roi, vers 21, verset 19 à 29. il te faut, il me faut aussi un meilleur prophète. Il te faut un meilleur prophète. Dieu merci dans l'histoire ce qui arrive c'est que Dieu va relever Élie. Une fois relevé, Élie peut reprendre ses fonctions et continue, il y a plusieurs choses qui arrivent, un autre épisode avec Naboth, je t'invite à lire 1 roi 18, tu vas faire la lecture très intéressant. Puis là Akab va se faire influencer. Acab va se influencer par sa femme, il va tuer Naboth, va voler le vignoble. Et là, voici ce que Élie répond, ou plutôt dit de la part de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Tu as assassiné et tu prends possession. Ouvrir la porte nous amène toujours plus loin. Parce que tu t'es vendu, prostitution, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, prostitution, en faisant ce qui déplaisait au Seigneur. Je fais venir un malheur sur toi. Je te balayerai, je retrancherai de chez Acab. Quant à Jézabel, le Seigneur a dit, les chiens mangeront Jézabel. Il n'y a eu personne qui déplaisait au Seigneur comme Akab, 22 ans, incité par sa femme, Jézabel, qui t'influence dans ta vie. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, imitant en tout point les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les Israélites. Quand il entendit ces paroles, Akab déchira ses vêtements. C'était un signe de deuil. Il pleurait. Il mit un sac à même sa peau et jeûna. La parole du Seigneur parvint à Élie. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai plus venir le malheur pendant ces jours. » Wow! Il te faut un meilleur prophète. Élie... Fait son travail de prophète, il annonce. Puis il dit, écoute, Dieu est infiniment grâce, on vient de le voir le point d'avant. Mais il dit, Dieu est infiniment juste. Nous répondrons tous un jour devant le grand maître. Nous répondrons tous un jour devant Jésus. Puis il dit, voilà ce qui va t'arriver. Tu as ouvert la porte tellement large, toi-même, tu n'arrives plus à la refermer. Voici ce qui t'attend. Voici ce qui attend ta famille. Voici ce qui attend ton épouse. Ainsi de suite. Puis Akab est pris d'un élan de regret, de repentance. Il dit, oh non, wow, j'en reviens pas. Puis il dit, il faut que je me repens. Je ne peux plus continuer dans ce chemin-là. Cher ami, j'aimerais te dire que tu peux aujourd'hui arrêter de suivre le chemin que tu suis, aujourd'hui, maintenant. Parce que la Bible nous enseigne que cherchez-le pendant qu'il se laisse se trouver. Cherche Jésus, Jésus, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux dire, Jésus, viens. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux dire à Jésus Je veux, faire une Je veux avoir une relation avec toi. Aujourd'hui, le pardon de Dieu est illimité. Aujourd'hui, maintenant, si tu entends ma voix, tu peux accepter Jésus. Puis là, Élie euh, va avoir un disciple qui s'appelle Élisée. Élisée fait des miracles aussi, puis c'est vraiment intense, puis tout. Mais Élie et Élisée ne suffisent pas. Figurez-vous que Élie et Élisée ont fait des résurrections. On se rappelle, le fils de Naaman, la veuve, la, le, fi, le fils de la veuve, etc. C'était fou, c'était quelque chose. Wow! Naaman, le Syrien, c'était malade. Wow! Mais Élie et Élisée sont morts et ils ne se sont pas ressuscités. Jésus, qui remplit la fonction de prophète, <laughs> Jésus, qui vient au nom de Dieu, qui est l'incarnation parfaite de Dieu, qui est le Dieu trois fois saint fait chair, est venu sur cette terre. Il a annoncé la parole de Dieu. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est ce qui fait que nous avons en Jésus un meilleur prophète. Parce que Élie et Élisée étaient incapables de ramener le peuple d'Israël de l'apostasie. Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit Quiconque croit ne périra point. Vous les connaissez, les versets Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le meilleur prophète. Oui, c'est bon ce que tu dis, pasteur. C'est bon ce que tu dis, mais je ne suis pas sûr. Merci. Laisse-moi continuer. Luc 4, verset 18, nous dit la chose suivante. Je te mets en contexte brièvement. Jésus arrive dans une synagogue. C'est là qu'on se recueille, c'est le, le temple, etc., lieu d'adoration. Jésus arrive super peinard. Le, le texte nous dit, il prend un, un manuscrit, un parchemin, il déroule. Il cherchait de quoi, il trouve. Puis il commence à lire. Puis c'est ce que je vais te lire maintenant. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année d'accueil ou une année de grâce de la part du Seigneur. Puis, il roula le livre, super peinard, le rendit au servant ou au gardien s'assit, S'asseoir, c'est un geste de maître, d'autorité, de rabbin. Comment j'ai lu, puis j'ai dit. Puis là, il va continuer, puis il va l'interpréter, il va dire ce que tu as entendu aujourd'hui. C'est vrai. Il est le nouvel Élie. Il est le meilleur Élie. Il est l'accomplissement. Élie, c'est une typologie de ce qu'un prophète, le prophète que Dieu enverrait. Esaïe nous dit qu'il y avait un serviteur qui serait envoyé, un serviteur souffrant qui ira à l'abattoir. Jésus. Exalté. Il est celui-là. Il est celui qui te redonne la vue dans les situations que tu ne voyais pas. Il est celui qui vainc la mort, je l'ai déjà dit plus tôt. Il est celui qui te rend libre de toute oppression que tu pourrais vivre. Jésus, Jésus-Christ, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Jésus est assez. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. On a lu. Quelques versets plus tôt, la main du Seigneur était sur Élie. Qu'est-ce que le texte nous a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Conférez l'onction. Jésus accomplit Élie. Élie n'avait pas eu nul des prophètes dans sa patrie. Élie avait été obligée d'aller à l'extérieur de la ville pour faire un miracle. Même chose pour Élisée, même chose pour Jésus. Jésus n'a rien fait à Nazareth. Il a été rejeté. L'histoire finit avec Nazareth en disant que les gens étaient au bord du précipice pour le faire tomber. Mais Jésus est celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas d'issue. Donc, cher ami, Jésus est assez. Mais toi, qu'attends-tu pour accepter sa bonne nouvelle dans ta vie Pour vivre selon ses ordonnances Pour le chercher pendant qu'il se laisse chercher une des choses que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup, euh, ben en fait j'étudie beaucoup la Bible, puis dans mes études, souvent je dois emprunter des livres à la bibliothèque, puis je les numérise. En les numérisant, bon, des fois, la grosseur, je ne suis pas très expert, c'est difficile. Donc j'en suis venu à me faire des petites euh, techniques pour essayer d'avoir une, une version comme correcte. correcte. Puis hier, j'ai découvert un nouveau truc avec Adobe. Je peux prendre la page, fait que là, je la numérise, je la prends en format légal, euh, 8 par 14, mais là, je peux arriver et juste rogner les rebords, puis là, la mettre à la. Puis là, tu es comme, c'est vraiment pas passionnant, mais crois-moi, moi, moi j'aime ça parce que ça me sauve tellement de temps. C'est tellement plus simple. Le problème avec mon illustration, c'est que je vais encore apprendre des choses sur Adobe. Mais Jésus est assez. Une fois que tu as Jésus, tu n'as pas besoin de rien ajouter tu n'as pas besoin de compromettre Jésus. Mais j'ai l'impression, après tout ça, il reste quand même une question. Puis ça va être mon dernier point. J'ai l'impression qu'après tout ça, il nous reste encore une question. Puis la question, c'est super beau message, Warren, C'est bon, on est content de toi. Wow, tu fais du beau travail. Mais nous, on fait quoi là-dedans? Tu sais, tu nous prêches Jésus, tu nous dis, la mort est terrassée. Mais nous, moi, oh, lundi, je retourne à la Job. Puis mon boss, là. Ugh. Moi, dans deux jours, j'ai des factures à payer. Puis le compte en banque... Ugh. Moi, euh, ma relation, ça ne va pas bien. J'aime tomber. Super cool. Puis je comprends Jésus. Jésus, J'ai Jésus. quasiment l'impression, puis je ne veux pas te dire ça, que Jésus n'est peut-être pas assez. Oh, je viens de te le dire, je l'ai prêché là, Jésus est assez. Mais quand même, je respecte ta question. Donc, pour toi, Jézabel est morte, Jésus a gagné, et toi, Père Sévère. Toi, Père Sévère. Et on va aller voir ensemble, dernier texte de la matinée, dans Apocalypse 2, 20 à 25. Apocalypse 2, 20 à 25. Et je vais faire la lecture pour vous. C'est euh, Jésus exalté qui envoie une révélation à, la, à Jean. Puis il lui explique un peu ce qui va arriver. Puis il fait une, pour des prophéties sur sept églises pour leur parler de leur condition actuelle, Puis des choses qui doivent changer et tout. Puis les sept églises qui représentent, si tu veux, le royaume de Dieu, l'église de Dieu sur terre. Puis voici ce qu'il va dire à une église, l'église de Thyatire. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins, j'ai volontairement sauté quelques versets et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Tiatyr, à vous mes cousins, à vous l'Église, le portail, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis. Appelez-vous Élie. Hein, Élie, qu'est-ce qu'il avait dit Ainsi parle l'Éternel. Là, c'est Jésus qui dit Je dis. J'ai pas besoin de dire Ainsi parle l'Éternel parce que je suis l'Éternel des armées. « Je dis Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Restez-y, restez-y, attachés jusqu'à ce que je vienne. Toi, cher ami, je sais que tu voulais une partie dans l'histoire. C'était important pour toi d'avoir ta partie parce qu'on est comme ça, l'être humain. Persévère. Je sais que l'être humain, si tu lui dis quoi faire, il est frustré. C'est pas pour qui lui de me dire quoi faire. Puis si j'arrive de l'autre côté je te dis, hé, il n'y a rien à faire, là, tu n'es pas fâché, tu es en colère. Voyons donc, je ne suis pas inutile. Donc voilà ce que je te dis de faire, je vais me mettre juste au milieu ici. Persévère. Parce que tout a déjà été fait, c'est la vérité. Mais persévère. Persévérons. Accrochons-nous. Ne, 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 ne commettons pas en tant qu'Église le péché que Tiathir avait fait de laisser cette Jézabel, typologie du diable. C'est pour ça qu'il emploie cette image forte. Parce que tout le monde qui lit ça comprend qu'on parle. Cette Jézabel, wow. Jézabel qui était rusée. Jézabel qui était perverse. Jézabel qui avait influencé le mal chez Akab. Puis ce qui arrivait, c'est que dans l'Église, il y avait un faux enseignement. Faux enseignement. On croit qu'ils avaient... Traficoter les textes de Paul. L'apôtre va dire que, a, que tu fasses, quoi que tu fasses, fais-le à la gloire de Dieu. L'apôtre allait dire aussi que tu peux tout faire, rien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, etc. Puis ils ont comme traficoté ça en disant on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas grave. On peut se compromettre sexuellement parlant. Parce que dans la ville de Thiatira, il y avait un large, large, large euh, euh, réseau économique. Tout le monde était commerçant, fabriqueur de tentes, tu avais boulanger, tu avais toutes sortes de métiers qui étaient pratiqués et tout le monde faisait partie de guildes, d'associations de leur métier. Puis tu ne voulais pas être mis à l'écart de ça. Tu voulais fiter dans la patente. Ah non, ouais, non, non. Tu voulais être sur le magazine Forbes, tu voulais être successful, tu voulais être un entrepreneur qui réussit. Mais suivre Jésus, ça voulait dire être victime de la persécution de l'empereur Néron. Ça voulait dire être victime de tribulation. Super cool, Jésus Kumbaya, Jésus, je te suivrai. Maintenant, les faits, ouf, c'est lourd, là, j'ai besoin de ma business, j'ai besoin de mes, mes, mes relations. fait, qu'ils se compromettaient sexuellement, économiquement, dans le but de satisfaire à la culture. Et ici, Jésus va dire, ils vont être jugés éventuellement. Mais il dit, vous qui avez choisi de me suivre, vous, les brebis qui connaissent ma voix, Lorsque le diable viendra et qu'il rugira, rappelez-lui qu'il a été vaincu, qu'il est un lion sans dents, qu'il ne représente que l'ombre de la mort, parce que Jésus est vivant. Vous, accrochez-vous, portez le fardeau que vous avez. Le fardeau que vous avez est assez. Votre croix, vous, suivez Jésus. C'est ce qu'il dit vous, suivez Jésus. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai car mon joug est léger, et mon fardeau doux. Mon fardeau est léger, et mon joug doux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux que celui que vous avez. Porte ta croix, frère. Porte ta croix, sœur. Je sais que c'est facile à dire, mais que c'est dur à faire. Mais fais confiance que le Jésus qui nous a sauvés procurera, il mettra sur nos chemins des ciments de sirène qui nous aideront. L'Église, nous nous aiderons. Ne faisons pas le péché d'omission. Si ton frère ou ta sœur est dans le péché, relève-le, corrige-le, discipline. Acceptons la correction. Acceptons la correction. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Mais ils avaient galvaudé le message de la grâce. Ah, la grâce me suffit, Kumbaya, je peux faire ce que je veux. Non. La grâce de Dieu, c'est que Dieu te donne tout. Mais la grâce de Dieu s'attend quand même de ta responsabilité humaine. Tu as a un travail que tu as à faire. Je ne dis pas d'être une bonne personne. Je dis de suivre le bon maître. Et puis là, il dit, oh, il dit, oh, il dit, est pas fini. Il dit, je reviendrai. Maranatha, le Christ revient. C'est ce qu'il dit. Il dit, je sais que tu portes ton fardeau depuis bien longtemps, mais prends courage, sois fort. Je reviendrai. Jésus reviendra et il anéantira une fois pour toutes la présence du diable. Je me rappelle, j'étais... Je me rappelle, j'étais dans une fête, puis euh, j'ai vu quelque chose, c'était du parenting, euh, un parent qui reprimandait son enfant, et puis j'étais comme, wow, « moi. j'aimerais ça être un parent comme ça le jour que j'aurai le privilège d'être parent. » Puis euh, et le parent, il dit aux enfants, il dit, « Là, là, c'est assez. » Il dit, « Prochaine fois, on rentre à la maison. » L'enfant, sont comme, « OK, c'est beau. » Il se calme, il écoute la télé. Puis là, euh, le père s'en va, les souris dansent. Il recommence à courir un peu partout dans la maison, des invités. Puis le père, il arrive à mon nez il dit Ok, c'est beau, ramasse tes souliers. Euh, euh, ramasse souliers. Euh. Puis il sent... moi, je pensais qu'il n'allait pas le faire. tu sais, J'étais comme oh, Ça va être fou. Mais tu pensais qu'il va le faire pour vrai ?»« Mais ben, non, il ne le fera pas. Donc. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je suis trop papa gâteau. Je suis sûr que je ne serais pas papa gâteau. Puis là, je me mets à penser, penser, penser. Puis là, à un moment donné, je vois que le gars, il le fait pour vrai, Il ramasse. Il dit Bon, euh, merci pour tout. Bonne soirée. Je fais Oh Je dis hein? Moi qui pensais que c'était des menaces. Non, c'était des promesses. La promesse, c'est que je. <laughs> c'est ça Wow! Wow! Mais Jésus nous promet aussi des choses. Jésus reviendra. Il y a de l'espérance pour nous. Accrochons-nous. On va en retourner dans la louange. Euh, je vais terminer simplement avec cette histoire. Puis on se demande comment on fait, Warren, comment on fait. Puis je crois que la meilleure façon euh, de dire non à l'accommodement spirituel, la meilleure façon de ne pas corrompre la sainteté de Dieu dans nos vies, c'est en obéissant à la parole. De façon rigoureuse. C'est en, en étant critique, en étant critique des enseignements que vous recevez, qui est, les, qui, qui est la source de votre influence. Vous... Il y a un frère, on est sorti de l'Église, j'ai dit, dit la phrase que j'ai dit un peu plus tôt par rapport au lion sans dents, puis il est venu me voir, il dit Écoute, je te regarder, tu m'as dit d'être critique, j'aimerais regarder avec toi. Je ne oh, pensais pas qu'il allait faire ça aujourd'hui. Il, il me dit Écoute, je veux voir avec toi un verset, tu dis Lion sans dents, mais dans 1 Pierre 5, ça dit Il cherche qui dévorer. Ça veut dire qu'il y a des dents. OK, je dis oui, c'est vrai. Puis on, on jase ensemble, puis le point est le suivant c'est que j'étais très touché du fait qu'il a mis à l'épreuve ce que j'avais enseigné. Puis on a fini par s'entendre pour dire quand je dis que le lion est sans dents, ce que je veux dire, c'est qu'il est sans dents ses dents n'ont aucun effet contre les enfants de Dieu. Comprenons-nous bien. Je parle à des chrétiens. Donc, euh, lorsque l'Église ressemble au monde, lorsque nous nous compromettons dans nos relations, dans tout, nous avons là une Église malade. Lorsque nous agissons comme le monde, notre Église est impuissante. Et lorsque nous courtisons le monde, notre Église est infidèle. C'est ce que Daniel Aiken va dire. Et donc, rappelons-nous ceci Jésus a gagné à la croix, il est assis, toi, moi, persévérons, un pas à la fois. Un jour à la fois, rappelle-toi que Jézabel est morte, que le diable est vaincu et que Jésus reviendra une fois pour toutes. Et vous pouvez vous lever on va aller à la louange. Je lisais euh, un article d'un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Comment dompter le vilain en nous. Ah, j'étais sceptique, comment dompter le vilain en nous. Je n'aime pas ça, ça semblait un peu moraliste. Soit une bonne personne, j'étais sceptique. Mais j'ai donné sa chance. Commençai à aller, le gars il explique. Sa mère a été victime d'abus sexuels par un homme avec qui elle a été pendant 20 ans. Il y avait de la drogue là-dedans, il y avait. De l'alcool, il y avait du, du, du gangstérisme, c'est vraiment une condition de vie toxique. Très tôt, à l'âge de 14 ans, je suis entré dans la criminalité, des vols, un peu ouvrir la porte, ouvrir la porte, des vols ici, vente de drogue, système carcéral, de mal en pire, on dirait des fois. Je me suis éloigné de Dieu, juste Dieu, le Dieu de ma mère. Mais je ne savais pas trop pourquoi qu'elle s'accrochait, puis en quoi qu'elle s'accrochait. Il dit écoute, il dit je suis rentré en prison une première fois, je suis ressorti, je suis retourné, je suis ressorti. C'était comme ma deuxième adresse quand je donnais une adresse. Il dit à mon nez là. Ouf à mon nez, à mon nez, je, je m'en allais me tuer. Fini, je me suicider, c'est fini. Mais je m'étais rappelé d'un message que j'avais entendu quand j'étais jeune, qui disait que lorsque tu cries à Dieu, il répond. Il a dit, Dieu, si c'est vrai que tu m'aimes, parce que je ne le sens pas trop de ce temps-ci. C'est la version québécoise. J'ai lu dans la Bible qu'il y avait une colombe à ton baptême. J'aimerais voir une colombe demain matin. Ce sera mon signe de ton alliance envers moi n'est pas obligé de le faire. Par amour, par grâce, Dieu l'a fait. Le matin, il se réveille, il voit la colombe puis ça renouvelle sa foi. Il a accepté d'abandonner, de, de, de tuer le roi de sa vie pour laisser le roi Dieu, Jésus, prendre place. Puis là, il dit, j'étais tellement excité, rempli de zèle, rempli de zèle. Il dit, j'arrivais dans les bars puis je commençais à évangéliser puis je prêchais à Jésus puis c'était malade. Jusqu'à la fin, quand je me retrouvais dans le lit d'un inconnu puis que j'avais trop bu. J'ai compris que je n'y arriverais pas par moi-même. La seule façon que j'aurai de persévérer et d'y arriver, c'est en laissant la grâce de Dieu faire son travail. En ne forçant pas sa main, mais en m'accrochant au fait que l'œuvre qu'il m'a préparée d'avance sera accomplie. Frères et sœurs, l'œuvre qui a été préparée d'avance pour nous, Jésus est trop bon, très bon, infiniment bon, assez bon pour l'accomplir. Soyez bénis. thank you